Bonjour, bonjour! Ça va? Comment ça va la famille? Un petit live qui s'annonce. Les gars, j'ai hésité ce soir à relancer direct Infinite Fusion tellement j'ai kiffé hier. Franchement. Hein. Les gars, je me posais la question, mais là, c'est les vacances pour tout le monde ou pas? À part les mecs qui travaillent l'été. Hop là. Petit stream, en tout cas, qui s'annonce particulièrement qualitatif. On va pas se mentir. Et ce soir, on va jouer mono-feu. Et qui dit mono-feu, dit pire au but. Parce que oui, mesdames et messieurs, quoi de mieux qu'un Pokémon qui a change côté pour une team qui est 100% faible au piège de roc. D'ailleurs, je me posais une question, les gars, mais est-ce que les vacances d'été, c'est quelque chose d'universel? Est-ce que dans tous les pays du monde, les gens ils se sont mis d'accord pour dire que c'était plutôt à cette période-là ou pas? Ou est-ce que c'est un truc quand même plutôt européen, occidental? Merci, Kalium. Merci Galium pour ce sub des 10 mois.
Est-ce que vous entendez un peu la musique? Au Japon, c'est pas au même moment déjà. Ah bon? Ok. Ça dépend de l'hémisphère. D'accord. Non mais c'est une question que je me posais, hein. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas au courant forcément. Petite live monotype, parce que j'ai hésité, parce que comme je suis pas trop mal dans le classement, là je crois que je suis 54ème sur le top lad overused, je me suis dit est-ce qu'on fait de l'OU ce soir? Mais en même temps je me suis dit si je fais de l'OU ce soir, et que ça passe pas, ça se passe pas, enfin je vais être trop tryhard, j'avais envie de m'amuser un peu ce soir, tu vois. J'avais envie d'être un peu foufou. Donc bah on va être un peu foufou, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez envie d'être un petit peu foufou avec moi? Donc monotype gaming, j'avais envie de jouer Malvalam surtout. Ce soir j'avais envie de jouer Malvalam, je sais pas pourquoi, ça m'a pris d'un coup. J'étais en mode, ce soir faut que je joue Malvalam. Ouais c'est important, ouais. Ouais, ouais. Bon ensuite, bah au Guerpon. Hein. Alors attendez, au Guerpon il peut pas Terra, est-ce que c'est fort? S'il peut pas Terra. En fait, le truc, c'est que plante-feu, c'est pas ouf, parce que feu, ça va galérer contre quoi? Contre le type roche. Mais ça existe pas. Contre le type eau. Ouais, non, mais plante-feu, c'est parfait, en fait. Qu'est-ce que je raconte? Mais j'étais en train... J'allais sortir un argument, et l'argument que j'ai sorti, en fait, c'était l'inverse. Il a argumenté à l'inverse de ce que je voulais dire. C'était incroyable. Donc, SD feu, Kalinari pour les monodragons, ça peut être pas mal aussi. Un tiers sans Terra, on ne peut que s'amuser. Ah, j'ai hésité un petit peu à faire de la 7G aussi ce soir. Mais je me suis dit, ça fait longtemps que j'en ai... Enfin, ça fait quelques temps que... Mais pourquoi j'ai 31 IV Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi tous mes Pokémon, ils ont 0 IV en attaque? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me fais foudroyer par Pokémon Showdown, là. Bon, par contre, pire au but, c'est forcément grosse botte en monofleu, je pense. Libéro avec... Tricanon, ballon brûlant, demi-tour. On verra. En vrai, faut savoir que autant au Guerpon, je pense qu'il était vraiment trop broken. Autant j'ai tellement pris du plaisir à le jouer. Vraiment, c'était trop fun. Le stall n'existait pas en fait. En plus, c'était une période où quand Guerpon est arrivé, c'est pile au moment où il y a plein de Pokémon qui sont revenus et qui étaient ultra forts en stall. Sauf que comme du coup, les gens, ils essayaient de jouer stall parce qu'il y avait plein de nouveautés pour stall. Et qu'en même temps, il y avait au Guerpon. Bah moi, je croisais souvent stall et je 6-0 toujours stall avec au Guerpon. Oh, c'était trop bien. Ça m'a vraiment fait plaisir, cette époque. Malheureusement, bon, il était quand même un peu broken, on va pas se mentir. Quand t'as dit au Guerpon, j'ai entendu au beer pong. C'est vrai que ça se ressemble un peu le beer pong. Très très gros sport qui sera présent au JO d'ailleurs 2024. D'ailleurs les JO qui arrivent bientôt, là vous êtes hype ou comment ça se passe? Niveau hype sur 10, vous êtes combien? Plutôt 2, plutôt 1. Moi je suis plutôt vers 1 je pense, ou 2. Ça se joue je pense. Bon qu'est-ce qu'il y a en monofeu sinon? Il y a Pyrax. Pyrax, c'est broken, c'est sûr, mais est-ce que c'est si fort que ça? En vrai, surtout, t'aimes bien avoir une immunité ground quand tu joues monofeu, donc forcément, t'as envie de jouer Sulfura, je pense. Je pense. Hein. Sulfura, c'est quand même quelque chose, quoi. Après, ça te fait une double faiblesse roche, mais bon. Merci, j'adore l'eau. Attends, mais si t'adores l'eau, tu vas pas être hype par ce soir, là. Attention. Sulfura. On va le jouer classique, je pense. Hein. Le classico classique. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Bah après, t'as feu perso, quoi. En fait, souvent les monofeux c'est Sun avec Chartor. Souvent. Est-ce que ça va être le clean de Wishiwashi? Mais est-ce que j'ai envie de jouer Sun avec Chartor? Je suis pas vraiment un Chartereur moi. Merci Sensei. Le truc c'est qu'en monofeu, si t'as pas envie d'être 6-0 par le type O, tu fais comment?
Tu joues Volcanion, canyon, tout simplement. Tout simplement, en fait. Je suis top la 10 du ladder monofeu OTP, j'espère que tu prendras le plaisir à jouer ce type. Et toi, tu joues une scène ou pas? Bon, j'ai quand même quelques fois joué monofeu, mais c'est pas un type que j'adore. Parce que c'est quand même un type offensivement qui est très fort, mais très défensivement qui a toujours quelques petits problèmes. Qu'est-ce qu'on joue en last? Parce qu'on rappelle que l'énergie booster est pas autorisée, donc feu perçant, mythe de fer, c'est pas si extraordinaire. On rappelle que feu c'est faible roche, c'est faible eau et c'est faible sol. Donc là on a une faiblesse, on a une immunité eau, on a une immunité sol. Par contre on n'a pas de résistance roche. La seule option ça serait jouer Itran. Itran qui est plutôt fort en monofeu. Et qui nous permet d'avoir un poseur de pièges de roc aussi. Parce qu'il n'y a pas tant que ça des poseurs de pièges de roc en monofeu. Donc on jouerait pas Pyrax, mais en même temps j'aime bien la team sans Pyrax. Moi de toute façon Pyrax je le trouve. Je dirais pas qu'il est surcoté, mais... Est-ce que c'est si fort que ça un monotype Pyrax? Je pense pas que ce soit si fort que ça. Après Itran, le problème c'est qu'il faut réussir Magma Storm quoi. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Non. On peut jouer ballon quand même, c'est pas mal. Pyrex sans le Terra, c'est sûrement plus facile à counter. Bah, après, le truc c'est que tu dis ça, mais en soi, défensivement, tu peux plus Terra non plus quoi. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de mono-dragons, des trucs comme ça. Je pense pas que Pyrex soit très fort. Je suis top 0 du ladder parce que je suis nul, ça vaut même pas la peine d'essayer. Mais tu crois que Michael Jordan, quand il a commencé le basket, tu crois qu'il était fort au basket? Non. Probablement que son premier tir, d'ailleurs, ça a été un flop monumental. On n'a pas la vidéo, je pense, mais si on avait la vidéo, on se foutrait de sa gueule. C'était ridicule, je pense. Ridicule. Je l'ai coaché, perso, quelques années à Chicago pendant quelques semaines. Je faisais un stage et je regardais un petit peu les jeunes. Et à l'époque, Michael Jordan, je dirais pas qu'il est ridicule, mais enfin, c'était niveau très très faible. Très très faible. Faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Même si vous avez un niveau faible, vous pouvez devenir très fort. C'est juste de la motivation, de la détermination, tous les mots en sion. Rédemption. Abomination. Absorption. Finition. Pourquoi il est moins vitesse ce Itran de merde là? Ah, et pour booster tech le lourd. Certes. Moi j'aime bien Acier Protect. C'est ça le truc. Je suis pas sûr que j'aime bien ce set. J'aime bien genre un bon Itran lefto là. Après, si tu joues Protect, c'est vrai que tu te passes d'une attaque quand même assez forte. Est-ce qu'on a envie d'avoir envie de cliquer Vortex Magma, quoi? C'est une attaque quand même assez maudite, hein, on va pas se mentir. Bon, on va pas la cliquer au pire, on a qu'à se dire ça. Bon, on va tester avec le ballon et puis on va voir. Pourquoi il y a Vislam sur Flash Cannon? Ah, contre Monofée, t'as que le lourd, c'est fort contre tous les pokés en fait. Flash Cannon, tu peux pas faire si mal que ça à certains pokés. Typiquement, tu one-shot pas Flotte Mèche, je crois. Alors qu'Ivislam, c'est un kill sur tout. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi de jouer 31, 0 IV en attaque. Si on n'a pas envie de baisser la stat, pourquoi je jouais 0 IV, tu vois, ça me paraît bizarre. Tu fais comment contre Monodragon? Ça me paraît difficile. Bah, c'est sûr que c'est difficile contre Monodragon, on va pas s'en tirer.
pour ça que faut réfléchir à des options. En général, contre Mono Dragon avec Mono Feu, tu fais quoi? C'est quoi les options? Pas grand chose, hein, en fait. C'est forcément difficile. T'as pas vraiment de Pokémon où tu te dis ah ouais, avec lui, ça serait mieux. Je pense Malvalam, c'est très très fort. Après, tu peux jouer Kuba sur Pyrobut. On n'a pas de priorité, donc je pense qu'on va jouer Kuba sur Pyrobut. Ça me paraît pas mal. Détricanon, c'est pas horrible non plus. Après, Détricanon, c'est fort contre les Monofées, mais Monofées, tu joues Monofeu, donc. Normalement, t'es déjà censé être très très fort, quoi. T'as quoi d'autre qui pourrait être sympa? Papala. Attends, mais j'ai pas changé côté? Pourquoi ils ont pas mis change côté? Hop. Voilà, c'est pas mal. On peut tester ça. Si ça marche pas, bah on quitte le stream, finalement. Comment on appelle la team? Caliente. C'est l'été. C'est l'été. Le feu. El fuego. Ça y est, c'est enfin l'été. Calientei. Pyrax, c'est pas fort en mono. Bon, je pense que c'est vraiment pas mal, ouais, mais bon, j'ai pas très envie de jouer Pyrax ce soir. La flamme olympique. La flamme olympitre. Ok, c'est parti pour la flamme olympitre. Est-ce que c'est la flamme olympique ou est-ce que c'est la flamme olympique? On va le savoir très vite. Yes, c'est enfin l'été, on va pouvoir jouer. Ouais, grand classique de la chanson française, ça. D'ailleurs, il en a ressorti une il n'y a pas très longtemps. Qui était aussi plutôt banger. Et quoi qui va être galère aussi? Le feu, tu. En vrai, monosol, c'est horrible, je pense. Monosol, c'est FF. Monosol, c'est instant lose. Si on croise monosol ce soir, c'est perdu instantanément. Mono roche, ça va. De toute façon, ça n'existe pas, mono roche. Mono dragon, c'est FF. En fait, c'est ça aussi que je trouve difficile avec monofeu. C'est pour ça que je joue pas souvent. C'est que monofeu, contre les faiblesses. C'est très difficile, c'est voire impossible. Alors que t'as des types, genre, ils ont un bon match-up contre les Pokémon qui normalement les détruisent. Cool Avatar, good luck, have fun. Les gens qui disent cool Avatar, c'est des gens cool en général. Qu'est-ce qu'on lead? Alors, mono poison contre mono feu, il y a un Toxapex, quoi, c'est un peu le souci. Et Toxapex contre ma team, il est relativement broken. On va lead Volcanion, je pense, c'est pas mal. En espérant que ce soit pas un Floreclat laser météore. Toxique. Petite burn à tour 1, ça serait incroyable. Après, est-ce que vous m'avez déjà. Est-ce que la dernière fois vous avez vu ma performance avec Volcanion, c'est. J'ai un pourcentage de burn inexistant, je le rappelle. J'ai jamais burn de ma vie, en fait, avec Jet de Vapeur. Jamais. C'est une perf, c'est une perf. On va go Heatran, je pense. Il va sûrement faire toxique ou. Ouais. Est-ce que ça va être Ah, normalement, Heatran, il fait Magma Storm, il y a un kill à chaque fois. Hein. Attends, faut toucher Magma Storm, quoi. C'est toujours le même problème. Trop lol. Ah oui, par contre, c'est pas un nom de fou, ça. J'ai toujours un grand respect pour les mecs qui surnomment un seul Pokémon. Genre, il n'y a pas un Pokémon de son équipe qui a un surnom, sauf Ectoplasma qui s'appelle Trop lol. Grand mystère.
Personne n'aura jamais la réponse. Bon, en soi, Sulfura, il peut être intéressant, oui. Après, on peut envoyer Pyro But. Soit Pyro But, il a tellement un mauvais match-up. Oh, ça, c'est pas mal, on va récupérer le mouchoir choix sur Pyro But. On peut juste U-turn. Et on va pouvoir renvoyer notre Itran, hein, tout simplement. Faut juste réussir notre attaque, quoi. Ou alors on met nos rocks, mais... Bah, en fait, le truc, c'est qu'il peut plus poser ses rocks. Donc, à moins qu'il ait les pics toxiques dans sa team. Après, j'ai vraiment Magma Storm gratuit, quoi. C'est ça, le truc. Oh. Intéressant. Carton rouge sur Rwagada. On va lâcher une petite Tellurie Force, ça devrait faire mal. Ah, ça a 2 HKO! Il va sûrement faire Blockos, là je vais envoyer Itran. Et là je vais mettre Merok au prochain tour, je pense. Pas mal, pas mal. C'est très très clean ce qu'on propose. Non, je le dis, je le dis, je le dis. Et du coup maintenant lui il est grosse botte. Donc il est plus Scarf. Donc en théorie on peut envoyer Pierre au but sans trop de soucis. On va juste lâcher notre meilleur ballon brûlant. Là on peut se permettre qu'il switch parce que... Bah finalement... On a la pression des pièges de rock maintenant. Donc... Le match-up de Itran contre Monopoison c'est quelque chose. Hein. Bon, Sulfura, ça se fait pas de HKO, je pense. Lien du destin. Sur un Itran, alors que je le tue pas, en fait. Ok. Ce Ectoplasma n'a pas l'air à son prime. Et il me donne... Non, mais là, il est fatigué, mon Opal. Il est juste fatigué, là. Il s'est dit, mon Sulfura, il va avoir quoi comme attaque, enfin, comme objet. Forcément qu'il va avoir ça. Oh, il stay in. Cet homme a des couilles. Et j'aime ça. Bon. De toute façon, je vais vous dire un truc. Sulfura n'a aucun putain d'intérêt dans cette game. Donc, c'est vraiment pas très grave de le sacrifier. Faut juste renvoyer Pierre au but et refaire demi-tour. Ah, c'est Smogogo. Aussi grosse botte. Allez, on est reparti. On réussit Magma Storm, s'il vous plaît. Oui. La petite vapeur féerique. Bon, bah là, ça sent la fin, quand même. Hein. Ectoplasma, il a prévu de faire quoi avec, je crois. Décinibon. Mec. Pourquoi il veut absolument trick des trucs en fait? Ok, s'il veut, ça m'arrange. Est-ce qu'on n'enverrait pas maintenant le plat de résistance? Je parle bien sûr de Ogerpon. Massuliane, boum! Pas de poison s'il vous plaît. Magnifique. Ah, le match il est terminé. Hein. Oh, il me harcèle. Le mec me harcèle. Là, faut pas miss maintenant. Pitié.
Il a pété. Ça a fait prout. Bon, ça va, on s'en sort pas si mal. L'Urogada, il revient plus sur rien. C'est quoi, et c'est quoi exactement l'event Shiny Hunting? Alors, ça commence vendredi vers 13h, je crois. Et du coup, il y a pratiquement tous les streamers français Pokémon qui vont essayer de capturer le plus rapidement possible les 151 premiers Pokémon en Shiny. Donc, chacun stream ce qu'il veut, chacun chasse ce qu'il veut. Le but, c'est au bout de 24 heures d'avoir capturé l'intégralité des 151 premiers Pokémon en Shiny. Tout simplement. Oh, il s'est fait flame body par... C'est original, ça. Sur quel jeu? Mais c'est sur n'importe quel jeu, tant qu'il est, il est officiel, quoi. Tant que vous faites quelque chose de légal, vous pouvez jouer, en fait. C'est la magie de cet événement extraordinaire. Malvalam. C'est impossible, non? Vous pensez que c'est impossible? Non. En fait, le truc, c'est que déjà, il y a Pokémon Let's Go, quoi. Donc, Pokémon Let's Go, tu peux pratiquement avoir tous les 151 premiers Pokémon facilement en Shiny. Moi, je vais probablement stream sur Pokémon Let's Go. Moi, j'aimerais bien faire la lignée de Roux Carnage. En fait, le seul truc que je suis pas sûr d'avoir compris, c'est est-ce que si t'as Roux Carnage, t'as besoin d'avoir Roucool et Roucoups. Mais je pense que oui. J'imagine qu'il faut avoir les trois, quoi. Donne pas tes strats. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont cru que c'était une course et que le but, c'était d'avoir le plus de shiny. C'est un événement coopératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de course. Le but, c'est on est ensemble. On est tous ensemble. Donc, il n'y a pas de qui va être favori, blablabla, quoi. C'est un truc ensemble. Le but, c'est qu'on montre que la communauté française en est juste capable, en fait. Bon, j'ai gagné le combat de Pokémon. C'était un très beau match. C'est 151 avec tous les streamers. Ouais. Moi, je pense que ça va se faire. Le truc qui va être un peu galère, ça va être Mew. Mais ça va se faire. Et en plus, chacun a le choix de stream autant qu'il veut, quoi. Si vous voulez stream juste quelques temps. J'arrive pas à savoir si le custom de l'adversaire, c'est un custom ou pas. Est-ce que c'est un truc que tout le monde peut avoir ou pas, cet avatar de con? Alors là, j'ai quand même Malvalam contre Monopsy. Si j'arrive à bien jouer, c'est quand même pas mal. Hein. Putain, j'ai aussi Pyrobut, Libero, U-turn. J'ai quand même des arguments. Je vais lead Volcanion, je pense. Attends, lui, il peut avoir Laser Meteor, ça fait peur. Pitié, pas Laser Meteor. Non. C'était ma phobie. Après, ce qu'on peut faire, c'est envoyer Itran. Et là, on peut mettre les pièges de rock. Parce que là, il va se dire, bah, je suis boosté, quoi. Ce serait dommage. Et bim. Ah, mais du coup, on peut pas faire change côté parce qu'il a mis ses pièges de rock aussi. Il refait le laser meteor, faut pas miss, là. C'est ça. Après, j'ai Itran contre Monopsy. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon Itran? Mais du coup, le Malvalam, il va plus avoir la ceinture force. Oh, c'est chaud. Les gars, on est dans une situation grave. Très grave. Je dirais même plus, c'est la merde. C'est la grosse merde. Salut Louis. Moi, le problème, c'est que j'ai perdu l'intégralité de mes sauvegardes. Du coup, avant vendredi, il faut que je refasse l'intégralité de Pokémon Let's Go. Donc, ouais.
Hein, c'est cool. Hein. Oh, le roc de fer qui fait lame puissante sur un Itran. Et il se fait flame body. Non, mais ce que je trouve dingue avec Itran, c'est qu'à chaque fois que tu joues flame body, les gens se font tout le temps punir. Mais vraiment tout le temps. C'est trop triste. Et c'est pas mal ça, parce que du coup maintenant Sulfura il devient vraiment intéressant. On va go pire au but. Hein. On va lâcher notre meilleur Kuba. J'avoue, il faut que tu le fasses en live. Non mais est-ce qu'on a vraiment envie que je fasse ça en live? Je crois pas les gars. Oh il escape Louis Messier. Ah c'est pas mal ça. Du coup on tue Louis Messier. Putain j'ai one shot Louis Messier alors que je l'ai même pas stabé. C'est quoi ce pocket con? C'est bizarre ça non? Par contre là il y a le terrain psy. Mais attends mais j'ai perdu là en fait. Deoxys il va juste clean. Avec vaste pouvoir. Bah ouais. Je suis con. C'est terminé. C'est terminé. Le problème, c'est que je me fais vraiment one shot, quoi. 4 attaques, 4 one shot. Ah, il est grosse botte. Donc ça tue pas, je pense. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais lance-flamme? Est-ce que je ferai pas roost? Est-ce que je peux tanker deux vastes pouvoirs si je fais roost? Le problème c'est si je fais ça. Ah je sais pas. Imaginons il fait 65. On va dire qu'il va faire 70. S'il fait 70, j'ai 30. Je reviens, j'ai 80. Donc oui c'est bon, je peux. Là faut que je roost. Non mais là c'est de la triche un peu non? Imaginez si j'avais hurlement, ça aurait été tellement plus simple. Ah, et pourquoi il a fait machination? Genre il devait profiter au maximum du terrain psy, il fait machination. Je suis sur le cul. Hein. Bon il faut que je tienne encore deux tours et après qu'avec un Pokémon je clean la game. Comment vous dire que ça me paraît compliqué quand même? Ou alors je tente une stratégie démoniaque. J'envoie Pierre au but. Je fais Kuba pour prendre le type ténèbre. Comme ça, il fait vaste pouvoir dans le vent. Ok, il est pas con. Cet homme n'est pas con. Est-ce que vaste pouvoir à plus 2, ça one-shot au Garpon? Sans le terrain. Sans le terrain, pardon. Je dirais oui, mais bon. 75%. Faut que je tente. Hein. C'est ma seule chance derrière. Parce que Malvala, il me tuera jamais avec ombre portée. C'est ça le problème. Putain, si seulement j'avais ténacité. Je peux gagner. Faut que j'envoie mon garpon, que je tanque. Ah mais Massulienne, ça tue même pas. Oh bah comme ça, y a pas de débat. Bah oui, bah c'est sûr. Ah bah oui, non mais c'est sûr, bah à ce moment-là, mais moi aussi, je joue pas au jeu en fait, je lance pas la game. Non mais je suis con, j'aurais pas dû taper atterrissage. Parce que je gagnais à 100% avec Ogarpon, donc j'avais pas besoin de tempo autant de tours en fait. Je pouvais juste U-turn, ensuite attendre la fin du terrain psy en sacrifiant tous mes pokés. Tant que je gardais Pierre au but plus Ogarpon, je gagnais. Je m'en veux beaucoup les gars. J'avais gagné à 100% et j'ai décidé de mon plein gré de ne pas gagner.
Mono ténèbres. Ça fait peur, ça. Après, l'avantage, c'est que Ténéfix, il va pas pouvoir nous brûler, hein, normalement. Je dis bien normalement. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. On va aller de Sulfura, tu sais quoi. Et il lit Ténéfix, alors ça. Casque brut Ténéfix. Ça, je l'avais pas vu venir. Ah, coup critique tour 1 et flame body qui proc. Bah alors ça, on a vu beaucoup de choses. Ah mais il a pas de poseur de pièges de rock, donc on peut juste mettre nos pièges de rock avec Itran, on s'en fout. Incroyable. C'est bizarre de pas jouer les pièges de rock quand même en monotype. T'as tellement de types qui vraiment sont très très forts. Alors envoyez vos tutrices sur Itran. D'accord. Non mais attendez, ce talent, je sais pas quoi vous dire en fait. Ce talent est débile. Attends, mais c'est un Finobi protéin, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, l'adversaire c'est peut-être pas le meilleur joueur qu'on ait croisé ce soir, je pense. Je pense pas que ce soit le meilleur, hein. Ça se trouve c'est le deuxième meilleur, mais... En tout cas, c'est sûr, c'est pas le meilleur. Il envoie Miascarade. C'est quoi le projet? D'accord. Bon, je crois que c'est le match filler, là. On est dans un filler. C'était un match filler. C'était un match filler, il compte pas. On passe au prochain. On n'est pas tombé contre le... Alors là, les amis, ça va être compliqué. Là, les amis, ça va être compliqué. Comment gagner ça, me direz-vous ? Eh bien, on ne gagne pas. Tout simplement. Flame body, encore? Non, il a pas proc. Flame body qui a pas proc au moment le plus important. Je suis dégoûté. Mon feu persan, qu'est-ce qu'il va faire? Ce perso, le problème c'est que je peux rien faire. J'ai un Sulfura qui a pas hurlement, donc je peux envoyer Sulfura, mais il va pas faire grand chose. Hein. Oh bah c'est fini, le match est terminé. Faut que je joue hurlement sur Sulfura. Ah, il a fait bout de feu. C'est généreux ça. Que Malvalam peut gotiser là. Si j'envoie Malvalam et que je tape ma meilleure dans Slam, est-ce que derrière je peux tuer Feu Persan? Si U-turn a fait 6%, c'est qu'il est vraiment full offensif ce Feu Persan. Malvalam a plus 2, ça fait 84, donc on le tue. Donc comme disait Jean-Pierre Papin, c'est possible. Est-ce que j'ai vraiment le choix contre un Feu Persan là? C'est compliqué. Allez! Active mon armure rouillée qui permet de baisser ma défense mais d'augmenter ma vitesse et avec le boost en attaque derrière d'utiliser l'esprit de la frappe qui va te one shot. T'aurais pas pu bait le torche sur Itran? Ouais. En fait le truc c'est que ça sert à quoi? Dans tous les cas il me tue avec séisme, mais il va pas faire bouffin, tu vois. Il va pas faire bouffin. Et maintenant Malvalam va devoir forcer un truc. Bah en fait le truc c'est que normalement il peut pas envoyer Rugilune parce qu'on a, on a que ce combat, tu vois. La question c'est que va-t-il faire? On dra Lugon. Ah, il a pas peur de close combat. Bon on va faire la Mampen. Hein. Voir un petit peu si on peut récupérer de l'HP. Lumino canon, ok.
m'en direz des nouvelles. D'accord. Alors pourquoi il a pas fait tricherie directe? Ça, c'est une question qu'on posera à Emmanuel Macron, je pense. Le problème, c'est qu'il peut mettre les rocs, quoi. Ah là, ça va être compliqué, hein. On va devoir envoyer Volcanion, on n'a pas le choix. Ça va être très tendu là, parce que là on a perdu Malvalem qui était un peu notre goutte. Potentiellement pour Dragon, on va pouvoir mettre les rocs. Ça dépend si on est plus rapide, il y a moyen qu'on soit plus rapide quand même. Il envoie Dracolos. Comme ça on peut briser sa fermeté. Petite burn là? Non, c'est dommage. Après on a Sulfura, on peut l'envoyer je pense. On n'a pas grand chose à craindre là. Ok, il fait DD en plus. Sulfura qui va pouvoir tranquillement roost. Il fait vitesse extrême. D'accord. Ok. Ah, il est confus direct. Ah là, ma strat, c'est Rego Sulfura sur le séisme. Et espérer qu'il se rappe dans sa confusion pour avoir un free roost. Bon bah d'accord. Par contre, il a refait colère. Personne ne sait pourquoi. Bon, l'avantage, c'est comment on va pouvoir le gérer avec Itran, quoi. Faut juste pas se faire... Attends, tacle lourd, ça fait 20. Est-ce que deux tacles lourds, ça tue? Non, faut que je vortex magma, là, j'ai pas le choix. Et là c'est bon, je peux éviter. Bon, pour l'instant on s'en sort pas si mal, mais le problème c'est que bah en fait on est monofeu contre nos dragons, donc le temps passe et on n'est pas gagnant. Hein. On est clairement pas gagnant. Je pense que mon meilleur poké c'est Pyrobut dans cette game. Après, est-ce qu'il est Scarf ce QRM? Je pense pas. Il est peut-être Specs, hein. Je pense qu'on va envoyer au Garpon, on va juste taper notre meilleur Masugan. Hein. Ah, il va sac prendre les gonds. Ok, c'est faisable. Pour l'instant, c'est du 3v3. 3v3, bon, dans une vie, c'est... Là, en fait, le truc, c'est qu'il peut pas vraiment envoyer un truc fort, quoi. S'il envoie lance rien, Kalinri ça tue, je pense. Faut juste pas se faire one shot. Ah, il est specs. Merde. Bon. Là, ça complique un peu les choses quand même. Faut que j'envoie Pyrobut et que j'anticipe bien ce qu'il va envoyer. Est-ce qu'il envoie Rugilune ou pas? Ou est-ce qu'il envoie QRM? Je vais espérer d'anticiper un Rugilune. Ah, il envoie QRM. Dommage. Parce que là, maintenant, c'est terminé. À moins que je tanque Tellurie Force. Bon. Oh mais c'est grave! J'avais encore de l'espoir là! Bro! Bon, je pense pas que c'était faisable, mais on pouvait espérer quoi, avec Kuba et tout. Bon, Monodragon contre Monofeu, j'avais dit que c'était littéralement impossible. Bon, bah, c'est littéralement impossible. Alors lui, je le croise à chaque fois que je fais un live monotype. Je sais pas si c'est un fan. Peut-être qu'il est juste tout le temps là. Comme il n'a pas énormément de matchs en monotype, je me dis quand même que c'est une coïncidence à chaque fois. Assez étrange. Qu'est-ce qu'on valide? Ah, en plus, il prend son temps. J'ai envie d'FF. Est-ce que je perds beaucoup de points si j'ai FF? Non, ça va. Il est quand même assez haut ladder, donc j'ai pas non plus.
On valide ça? Ça fait mal quand même, hein. Ah, il faut pas Miss Magma Storm. Est-ce qu'il est carton rouge ou pas? Ça a pas l'air d'être le cas. Bon bah on a tué Sort Silence tour 2, c'est quand même bien. C'est plutôt honorable quoi. Ou pas déchaîné. Ce Pokémon est déchaîné. On va envoyer Sulfura. Comme ça, on a une petite chance de burn sur Flame Body. À Flame Body, quand c'était inattendu, ça marchait. Hein. Mais maintenant qu'on s'y attend, bah, ça marche plus. Bon, après, on a quand même pire au but. Donc Monopsy avec U-turn protéin. Ça va, tu vois. Y a pire dans la vie. Je vais mettre mes petits pièges de rock. Je pense qu'il a envoyé Gardevoir en se disant je vais pouvoir récupérer Flashfire. Non, 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 non. Oh, encore Gardevoir. Sympathique ça. Oui, mais si, on sait ce qu'il est ou pas? Non, on sait pas. Hein. Oh, le double ou pas, c'est bizarre ça. C'est un bon play ça de double ou pas? Ou pas? Non bon on va se laisser mourir, écoutez. Hein. Ça me va. Le petit crit, histoire de ne pas savoir si c'est un roll. Il renvoie son Flagalos. Ah si, il était un extender, bah oui, je suis con. Bon on va envoyer au Garpon, hein. C'est vrai que ça fait 2 fois qu'on croise Monopsy, c'est intéressant. Je pense qu'on a quand même un bon match-up en vrai. Il envoie Gardevoir. Il va récupérer Brismoul. Alors est-ce que Gardevoir ça peut faire des trucs? Après il a encore donc je suppose qu'il doit pas être Scarf quand même. Sa team est un peu en galère contre Garpon, voire très en galère. Ça me paraît compliqué là. Parce qu'il va devoir remettre Wimessir, mais du coup il va devoir le sacrifier. Le Inflagados. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire là? Il envoie Oupa. Mais Oupa, depuis le début, il est Scarf? Ah oh, ouais! Incroyable, depuis le début, le Oupa était Scarf. Ça change un petit peu toute l'histoire, ça. Je réfléchis. Theory Force, ça paraît pas mal. On tue le ou pas. Derrière, il envoie Cléopsytra. Faut juste pas Miss Magma Storm, mais c'est imperdable. Monsieur Cléopsytra. Eh, c'est osé quand même ce qu'il nous propose. Hein. Vous pensez qu'il nous tue là en vrai avec Stored Power ou pas? Je pense pas. Hein. Oh le flop! Oh le flop! Voilà, ça m'a fait de la peine. Là, ça m'a fait de la peine.
Bon, ça va. Ça fait du bien, cette victoire. Très beau match. Je suis grave nul, donc peut-être que c'est con, mais est-ce que c'est pas dommage de pas jouer de poseur de sun, même en Zenith? En fait, je vais vous le dire, moi, je suis un hater des teams climat. Donc même si c'est meilleur de jouer Charter, comme je suis un hater, je peux pas, en fait. C'est une maladie, je peux pas. C'est dans mon corps, en fait. C'est dans mon corps. Bon, alors, est-ce que notre team est vraiment pas mal? Je pense que ça manque d'options contre le dragon, mais bon. Le sulfura, en fait, le problème, c'est que je me dis qu'il faudrait probablement qu'on ait encore... qu'on ait hurlement, quand même. Plutôt que feu follet. Ou alors, on enlève demi-tour. On aime bien avoir du Voltorn, quand même. Hein. Je sais pas. Et pourtant, ta couleur de cheveux rayonne comme le soleil. C'est vrai, ça. C'est vrai que j'ai une belle couleur de cheveux, quand même. Faut profiter des roues, parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mono-normal. C'est pas très normal de jouer mono-normal. C'est un comble, mais... Bah, surtout, jouer que l'horreur quand il y a pire au but, c'est dur. Hein. Ou bah, même le lead, d'ailleurs. Il envoie l'euphorie. Bon bah là je vais juste lâcher mes meilleurs ballons brûlants. J'allais dire attention ça peut être The Roark. Puis après je me suis rappelé que The Roark se faisait one shot par ballon brûlant. Mais il n'y a même pas de délire de crit ou quoi, c'est juste bah c'est un poké de con quoi. Attention Terrapagos. Avec sa Terra Carapace. Alors, qu'est-ce que ça fait, Terrapagos? J'avoue que ça... C'est une grande question. On va envoyer Itran, hein, juste pour voir. Il peut avoir Tellurie Force, je crois. Plus Terrastra. Alors, il m'a fait 18%. Est-ce que c'est beaucoup, ça, 18% ou pas? C'est pas beaucoup. Donc, il doit avoir Tellurie Force. Mais est-ce que Tellurie Force tue? Je pense pas, hein. C'est trop nul ce poké. On va mettre Norok. Horace. Non mais là... Non mais il faut faire un effort, monsieur. Non mais monsieur. Ah attendez, ça a rapid spin ce Pokémon. J'ai une théorie, les mecs qui jouent The Roark lead à 100% dessus. Bah moi j'ai une autre théorie, les gens qui jouent The Roark sont nuls. C'est méchant, mais à un moment, bon voilà quoi. Faut arrêter avec ce poké. J'aurais peut-être du SD là, non? Après, ça se trouve, c'est une speed tie, donc j'ai bien fait quand même. Bah, surtout SD alors qu'il y a un métamorphe, bon. C'est pas non plus extraordinaire, quoi. Bon, on a tué Terrapagos sans perdre un seul poké. C'était la difficulté de la game. Alors, il y a encore que Lorior, mais ouais. L'adversaire, on a bien senti qu'une fois qu'il avait perdu son Terrapagos, bah c'était FF quoi. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est la flamme olympique ou c'est la flamme olympique? Ah, en plus, il a 1620 de ladder, c'est quoi ça? C'est haut dans le ladder, ça, non? Ah, il est 32ème. En plus, il a 87% de GX, mais là, je suis contre le boss final, et en plus, il joue mono haut. Bah, c'est FF, hein! Après, on a quand même Oguerpon. Oguerpon contre mono haut, et Volcanion. Il y a de l'espoir. Si, c'est maintenant, là, qu'il faut briller. Moi je dis, on lead. On lead quoi? Volcanion. Oula, ça c'est le genre de mec qui attend en plus. Il joue mono haut, il est top lad, et en plus il attend.
Et en plus, il lit de Lagron. Bah écoutez, on a besoin de garder Volcanion. Hein. On joue contre Mono. Oh. Hop là. Et alors? Alors comme ça, on s'est outplay? Bah alors, on est deux. Je suis venu là, tranquillement. Je t'ai posé un classique. Bon, Itran contre Mono. Oh, par contre, voilà, je pense qu'on est sur un flop de qualité. Ok. Oh mais non, mais ça au revoir. Tain, je croyais que Lagron avait perdu au revoir. Oh, flemme body. J'étais persuadé que Lagron avait perdu au revoir, je sais pas pourquoi. Oula, Chifour sur Itran, c'est osé ça. Allez, Itran, flemme body. Allez. Oh, la chatte du mec. C'est grave. Je suis dégoûté là. Ouais, ça se trouve, il joue Protective Pads. Bon, on envoie Volcanion. Ça va être compliqué. Hein. Après, je vais lui faire croire que je vais terrafer. Hein. J'ai 20 pipoins. Cette game est un peu dure là, je vais pas mentir. On envoie Sulfura sur le Drain Punch. Comme ça, il s'est Flame Body. Mais cet homme triche! Bon, s'il fait pas burn, il est le truc, mais. Oh non, mais là, oui, d'accord. Non, mais d'accord. Ok. Je pense qu'on a tous compris là. Bon, allez. Notre game plan maintenant, il est simple. On envoie au Garpon. Et on prie. Franchement, au Garpon, il peut peut-être win. Hein. Après, attention, parce que Tentacruel, il a... Comment ça s'appelle? Il a Liquid Ooze, là. Donc il va me faire perdre des HP. C'est trop fort, ça. Ah, il a la team parfaite hein, contre la mienne. Hein. C'est étonnant, quoi. Mono O, Tentacruel pour counter au Garpon en Cornebois. Gantbox Chifours parce que j'ai Itran Flame Body. Non, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Elle est très spécifique, sa team. Hein. Non, très spécifique. Non, mais GG, je dis GG, c'est parfaitement joué de sa part. Je n'abandonnerai pas. Ce n'est pas mon style. Je suis Malvalam. Et je vais utiliser. Le pouvoir de la danse slam. Est-ce que je danse slam tel un goat maintenant là? Ouais non, j'ai bien fait de pas le faire. Ok, y a plus de Tentacruel. Peut-être que Garpon peut win. Et bim, je viens sur Aqua Jet. Ok. Ok les gars. Je retourne sur Malvalam. Non. Si? Ok, je suis gotesque. Et là, je regonne Volcanion. Mais full life. Ça sert à rien, mais... Bah, au moins, c'est fait, quoi. Bah alors, je t'ai outplay. Je me demande ce qui se passerait si t'étais pas mono-O avec tous les counter-teams du jeu contre moi. Je me pose la question. Non, mais je me pose la question, quoi. Je me dis peut-être que ça serait plus simple pour moi. Est-ce que Aquajet ça me tue là? Ah oui, merde, je pensais que ça me tuait pas. My bad. Bon, bon au moins je l'ai outplay et puis je pars en légende. Ça c'est beau. Peut-être qu'il est zéro attaque et que du coup, grâce au fait qu'il soit zéro attaque, je tank Drain Punch. Je tank Aquajet, hein. Ouais, en plus, il a le même avatar que Charo, c'est assez rare. Ça se trouve, c'est Charo. Hein. Je pense pas. En plus, Charo, c'est bien le genre de mec à avoir un pseudo qui s'appelle Megumin quelque chose. Je sais pas s'il joue encore à Poké à Charo. Ah, oh, il m'a crit, les gars. Il gagne sur crit. C'est de la triche. Et là, tu quittes.
Non, j'aurais dû rajouter un truc genre le cœur et j'aurais dû partir. Putain, le retour de Shaoul. C'était quoi son lead à lui déjà? C'était Rock Iron Boulder? Non, il avait pas Iron Boulder, tu vois, je crois aussi. Il a changé sa team. Il a changé sa team. Attendez, lui, il a pas genre changé sa team parce qu'après m'avoir croisé, il s'est dit il faut que j'ai Iron Boulder pour un mono roche. Pour un mono feu. Ça serait un peu drôle quand même. Ah, il avait sort silence. Il avait sort silence. Il avait Iron Boulder. Non, je suis sûr qu'il avait pas Iron Boulder. Je suis sûr qu'il avait sort silence. Tu es en train de mentir en direct. Si il l'avait, tu avais Flame Body, le Iron Boulder. Je crois que vous confondez avec le mec du début de live. C'est fou parce que un chat est capable de pousser très très loin l'info de chat, tu vois. Un chat est vraiment capable de pousser très très loin l'info de chat. Je trouve ça fascinant. Il y a un mec qui... c'est Fulloscopy sur YouTube. Ça serait super intéressant qu'il fasse une vidéo sur l'info de chat sur Twitch. Il devrait faire ça. Comment des streamers tous les jours se font info de chat par une foule de gens malveillants? Le problème, c'est que ça a une très bonne spédef, ce Pokémon. Les pièges de roc servent pas à grand chose. Putain, c'est exactement le même scénario que tout à l'heure. Il s'est fait burn par Itran Tour 1. Il va repartir sur Sort Silence très vite, lui. Hein. Info chat montre qu'une minorité bien informée vaut toujours plus qu'une majorité. Non mais ce qui est intéressant avec les info chat, c'est que ça prouve que très souvent, les gens qui ne savent pas vont être plus véhéments et plus motivés que les gens qui savent. Ça c'est super intéressant. On pourrait se dire un mec sait, donc il va avoir envie plus facilement de le dire. Mais très souvent, les mecs qui vont répondre le plus vite, c'est les gens qui ne savent pas. Comme s'il y avait un certain bonheur à dire un truc qui n'a aucun sens. C'est vraiment fascinant, hein, le délire d'info chat, moi ça me fascine. C'est vrai qu'il a changé le genre de Wimessia. Il a pas eu peur de Taunt lui, hein. Il doit savoir. Bah non mais j'ai pratiquement révélé tout mon set. Deoxys qui est envoyé contre Itran, c'est assez original. Qu'est-ce qu'il me propose là? Laser météore Deoxys. Zéro TK. C'est grave. Je vais pas envoyer... Attends, y a pas un casque brut dans sa game? Je vais envoyer Pyrobut, je pense. Seul l'ignorant élève la voix sur le sage. Ça, c'est bien vrai. Hein. Alors, pourquoi envoyer chef de fer sur Pyrobut? C'est encore un grand mystère. Il est pas en forme notre adversaire. Quand tu fais une session ladder monotype, est-ce qu'il faudrait changer souvent de team? Ouais. En général, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu un combo de team qui va bien, tu vois. Genre tu joues par exemple mono haut, tu vas te dire qu'est-ce qui est fort contre mono haut. Tu vas réfléchir à tous les match-ups négatifs à mono haut et tu vas jouer une autre team qui est forte contre les match-ups qui sont forts contre mono haut. Et tu fais une rotation. Et en général, cette rotation, bah, elle est plutôt efficace.
Après, il faut faire 2-2, quoi. Donc si tu fais ça, tu fais monofeu, monofeu, autre team, monofeu, monofeu, autre team. Parce que tu peux pas croiser deux fois d'affilée le même mec. Ça, c'est important. Changer de team à chaque match, ça sert à rien, en théorie. À part si vos games sont publics. Si les games sont publics, forcément, bon bah, ça change tout. Il y a plusieurs teams du même type. Bah, en général, oui, si vous pouvez avoir une infinité de teams, c'est toujours mieux. Comme ça, vos adversaires, ils peuvent jamais connaître vos sets. La meilleure manière de faire du ladder, c'est sûr que c'est d'avoir beaucoup de très bonnes teams. Mais maintenant, c'est dur d'avoir beaucoup de très bonnes teams. Soit t'as des très bons potes, et ils acceptent de te donner des teams parce que t'es un peu en mode pitié, pitié. Soit, soit t'as beaucoup de teams, mais elles sont pas forcément fortes, quoi. C'est un peu risqué. C'est pour ça que je sais très bien, je connais des gens qui traînent dans les groupes Smogon, les groupes de potes Smogon, de manière très hypocrite pour prendre des teams, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle les jerks de Smogon, il y a beaucoup de trucs un peu sombres. Ce Cléopsytra est malveillant. Non mais Cléopsytra, c'est nul à chier, c'est gravissime ces Pokémon. Pourquoi des gens premier degré joueraient ce truc en fait? Sans le Terra, ça n'a aucun sens. Moi je pense que le bon set de Cléopsytra, c'est clonage abri, je sais pas si c'est si fort que ça. Juste pour faire flex, je vais envoyer Sulfura, je vais tanker l'âme puissante. Et je vais le tuer avec U-turn. Ah non. Oh, je connais ça, il va envoyer Wimissir, il va faire vœux soins. Mais ça ne servira à rien, mon ami. Car tu es tombé contre le GOAT. C'est vrai que sur coup critique, si vous voulez jouer en monotype, il y a beaucoup de teams. Hop là, bah alors le Roc de Fer, 0 kill. Free. Bon, c'est reste un match-up quand même largement positif pour nous, on va pas se mentir. Après, monotype, voilà, faut accepter que tu vas croiser beaucoup de match-up en ta faveur, en ta défaveur. C'est un petit peu spécial. Alors, le retour de The Roark ou pas? Après, ça, c'est un éternel débat. Est-ce que c'est mieux de jouer toujours la même team en termes de gameplay pour progresser? Oui, je pense. En fait, le problème, c'est que tu vas aussi apprendre à jouer une team, mais tu vas pas apprendre à jouer à Pokémon. Par exemple, moi, c'est une erreur qui m'a un peu retardé quand j'ai commencé la strat, c'est que je suis monté top 1 avec une team, sauf que j'arrivais pas trop à jouer d'autres teams. Je jouais très bien cette team, par contre. J'étais clairement le meilleur joueur du monde avec cette team. Mais... bah derrière pour faire des tournois, pour essayer de jouer autre chose, c'était compliqué quoi. Donc il a fallu que je réapprenne complètement tout. Non mais personne ne lit Ursa King, ça n'existe pas ça. C'est Zoroark lui, non? Au pire on fait U-turn. C'est vraiment Ursa King. Incroyable. C'est pas le même mec, hein, je crois. Ok, on fait U-turn. On envoie Malvalam sur la façade. Là, ensuite, on re-switch sur Sulfura. Ah. Lui, il s'est fait outplay. Un tour, il a fait non. J'ai pas le mental pour ça. J'ai pas le mental. Non, s'il te plaît, arrête. J'ai des gosses. J'ai une famille. C'est terminé. Ça va bien. Oula. Alors, mono-insecte, quand tu joues mono-feu, c'est un peu le trap, quoi. Ça peut être très dangereux. Il y a âge de pierre de Bashikater, il y a Araquanid, surtout que là on joue pas Charthorn. Donc,
Attention. Ça peut être tendu. Est-ce que je dis ça pour me rassurer si je perds? Oui, certes. Et alors, qu'allez-vous faire? Vous allez me juger? Bon, Validitran, on n'a pas trop le choix, hein, malheureusement, contre ça. Hein. Parce que s'il lead Ashekator. En plus, il termule. Après, l'avantage, je vais vite termule. Alors, le truc, c'est que là, on est obligé de go Volcanion. Parce que si on tape, c'est compliqué. Le problème de Volcanion, c'est qu'il fait pas grand-chose à Tarambule. Hein. C'est aussi un gros problème. Donc on est obligé de lâcher nos meilleurs ponts de Burk. Il envoie Prismillon. Pourquoi il envoie Prismillon sur un Volcanion? Ah putain, c'est vrai que le sommeil est autorisé en mode type. J'avais oublié. J'avais complètement oublié ce détail. Oh, c'est chaud. C'est tendu, les gars. Je suis dans la merde. Allez, le 3 tours de sommeil en plus. Non, mais c'est gravissime. C'est gravissime! Mais je vais me faire sweeper par un Prismichion! J'ai envie de mourir. Ok, j'ai réussi à me Mirok, c'est incroyable. Pitié, pas de confus, pas de re-3 tours de sommeil, pas de miss. Ouais. Moi, quand je joue Prismillon, je triple miss Hurricane. Hein. Alors que c'est 90% de précision! Mais c'est gravissime! Non, c'est pas possible! Mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer là! C'est incroyable! C'est incroyable! Je jure que je veux bien un mathématicien pour calculer ce qui est en train de se produire là. Je me suis tapé. Non mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible en fait. Mais non! 3 tours de sommeil encore. Attendez, je vous jure, là on est en train de gagner au loto. Je me suis tapé 9 tours de sommeil sur 9 possibles. Je me suis fait confus. Il a réussi tous ses hurricanes. J'ai miss Magma Storm, le seul tour que j'ai tenté. C'est incroyable. Je me fais sweep par le papillon. Il peut pas pousser la luck à ce point-là. C'est impossible. Ça doit se terminer. Oui! Pff, mathématiquement, fallait que ça s'arrête. C'était obligé, en fait. Au moins, je me ferais pas sweep par le Prismillon. C'est déjà ça. Bah, je me fais sweep par Archicator, donc c'est pareil, mais. Flame Body! Oui, Flame Body! Allez, peut-être! On y croit! Ou Gerprun? Ah, mais il est Scarf. Oh, je tank! Scarino? Oh, mais c'est Moxie Scarino, mais allez vous faire chenipouler, genre. Bon, honnêtement, on s'est battu comme on pouvait, là. Là, genre. C'est la RNG la plus folle que j'ai vue de ma vie, je pense. Je prends le replay parce que c'était incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que moi, la dernière fois que j'ai joué Prismillon, et je me rappelle, j'ai fait 3 vents violents et j'ai raté les 3 d'affilée. Et je crois qu'on avait fait le calcul sur Twitter, et je crois que c'était l'équivalent d'un demi-euro-million, quoi. Donc, bah, chaque jour, je suis révolutionné par ma performance en termes de luck. En fait, ce que je trouve assez fascinant avec Pokémon Showdown, c'est que chaque jour, tu te rends compte que tu n'es pas aussi malchanceux que le toi du lendemain. Chaque jour, tu te dis non, mais c'est pas possible, je pourrais jamais être aussi malchanceux en fait. Et en fait, le lendemain, tu te rends compte que ça allait par rapport à ce que tu te tapes le lendemain. Après, c'est que moi, je sais pas si c'est le cas des gens, mais c'est mon expérience sur le jeu, quoi. Oh, monofeu contre monofeu. Ça va envoyer du gros boulash.
C'est possible de Miss Poudre de dos avec, avec Prismillon? Il me semblait pas. Ah, ça va être compliqué, hein. J'avoue que le limotisme, j'aurais dû le voir venir, là, c'était un peu évident. Ok, mur lumière. Un screen motisma, c'est terrifiant ça. Faut que je le crit maintenant. Petit proutage. Il envoie Charter. What? Pour me mettre le. Ah, c'est gentil, ouais. Ah, c'était juste pour me mettre le sun. Non, mais c'est gentil. Je dis merci. Faut savoir dire merci des fois. Hein. Hop. Bon, en vrai, c'est pour poser son scovilla, j'ai envie. Est-ce que je meurs de ballon brûlant? Je pense que oui. Après, bon. Bah, Sulfura, ça counter pire au but, même sous le sun, je pense. Hein. Faut peut-être pas croire non plus. Voilà. Faut pas croire que Sulfura, c'est Pepito Elastico. Hein. La confus joue pas si tu dors tout le temps. C'est vrai que vu comme ça. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre. Sur mes 9 Pokémon, j'ai été endormi 9 tours de sommeil sur 9 possibles. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est pas cool hein. Je pourrais en faire un short ça. Ou une vidéo, j'en sais rien. Mon Volcanion, c'est tout aussi chiant pour moi. Hein. Après, Volcanion, qu'est-ce qu'il fait à Volcanion, finalement? Ok. Tailoriforce. Boom! Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle. Ce match prend des proportions très intéressantes. Je peux envoyer le Malvalum et utiliser l'Esprit Frapper. À moins de rater, je suis assuré de faire un kill important dans cette game. En plus, il ne peut pas envoyer Charter parce que c'est le dernier tour de soleil. Donc là, à moins d'un miss. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait hack sur... Mais les gens, ils ont... Je sais pas, ils ont le forfait facile aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens, un jour ils se sont fait hack sur Pokémon Showdown, ils ont plus jamais relancé le jeu. Plus jamais. Genre vraiment quoi. Ça a été le hack de trop. Parce que souvent on dit, non mais je relancerai plus, et puis le lendemain on est re sur Pokémon Showdown, tu vois. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement quand même. Mais est-ce qu'il y a un mec, il est plus jamais retourné sur Pokémon... Oh! Alors lui, je suis tout vénère. Il va prendre sa justice divine. Tu vas prendre ta justice divine. Oh que oui. Oh que oui, mon ami. Oh, il lead à Shakator en plus, ce frère. Crit tour 1. Et Max Roll tour 2. Non mais je... Bon. Bah, on s'est bien battu, c'était un beau match. C'était un beau match, j'ai rien à dire. Je suis pas peu fier de la performance de mon équipe. Mais lui, c'est un élu divin, je sais pas quoi vous dire, genre. Regardez ce que je suis obligé de faire pour le tuer, là. Bon, au moins, c'est fait. Mais bon, derrière, j'ai perdu mes deux meilleurs pokés, quoi.
Le Scarinouage, il est de retour. Allez, un petit flame body là, s'il vous plaît. Oh là 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 là, c'est grave. C'est grave, monsieur. Oh, le Pyrex qui n'a pas les grosses bottes, ça c'est. C'est assez original. C'est Lefto Pyrax. Incroyable. Allez, on mise pas jet de vapeur. On tue le Pyrax. Peut-être hein, l'espoir est permis. Le problème, c'est que là, il va pouvoir mettre sa sticky, quoi. Ah non, il envoie Prismillon. Oh non, il veut retenter sa strat. Ah, mais sans le axe, ce mec-là, c'est. C'est du jamais vu, hein. Sans le axe, ce mec-là, il a pas de bras, en fait. Non, mais il est dépourvu de bras, en fait, ce mec. Tu lui enlèves le axe. Il est dépourvu de tout. Mais il est catastrophique, ce mec. Mais tu lui enlèves le axe, il ne peut plus jouer au jeu. C'est gravissime. Oula. Des airs baf. Je suis un peu terrifié là. Pour vous dire à quel point, même si tu joues contre le pire joueur de l'histoire, si tu n'as pas de chance, tu ne peux pas gagner. Pour ça, quand il y a des gens qui me disent « Oui, mais un jour, les IA elles vont atteindre une telle intelligence que tu ne pourras jamais les battre comme aux échecs. » Non, mais les gars, non. C'est pas sur Pokémon. Hein. Sur Pokémon, les IA elles pourront jamais tout le temps gagner. Désolé de détruire votre rêve, mais c'est impossible. Ok. C'est bon, j'ai pris ma vengeance sur le axeur fou et ça me fait plaisir. Là, c'est le mec, il est allé au casino, il a gagné 2 millions d'euros. Du coup, il est revenu le lendemain, il a mis 1 million d'euros, il est reparti, il avait 0 euros. Du coup, il a toujours 1 million chez lui. Mais comme il est persuadé d'être bon, parce que la première fois, il a gagné 2 millions, tu vois. Donc, il est persuadé d'être bon, donc il se dit, bah, j'ai juste pas eu de chance. Donc il revient le troisième jour et il remet le premier million qui lui restait encore parce qu'il avait gagné 2 millions à la base. Et il repère le troisième million. Enfin le deuxième million. Parce que il est convaincu qu'il n'a pas eu une chatte monumentale. Alors que si, sans la chatte, tu n'es pas bon au casino. Tu es flopesque. Plus 90% de win rate, c'est possible. Bah, sans oui, c'est sûr que si tu crées une IA qui est la meilleure joueuse de tous les temps, c'est logique qu'elle ait un win rate de fou, tu vois. Encore monofeu. Bon, par contre, sa team, elle me terrifie, hein. Feu persan, là. Feu persan, pour moi, c'est peut-être le plus gros contre. Après, en sun, en général, les feux persan, ils sont lock, donc ça va. On va dire que ça donne de l'espoir, quoi. On valide sur World Canyon. Et il envoie Yijun. Yijun. Wow, ce switch charter m'a terrifié. Bon bah on va jet de vapeur. Hein. Oula 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 oula. Oula la la la, le petit crew crit. Je vais envoyer mon pyro bouche. Et il fait le lance-soleil. Ok. Mais Scovilain, c'est plus Scovilain, c'est Sco très vilain. Hein. On n'a pas vu plus Scovilain faire un kill depuis 2001, je pense. Pourquoi Monofeu est si populaire? Parce que c'est marrant, je pense. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent par le prisme de t'as un type qui peut être boosté par le climat, tu vois. Comme il y a beaucoup de gens qui joueraient la reine avec Mono-O. Bah t'as beaucoup de gens qui jouent Charter avec Monofeu parce qu'ils se disent bah attends il y a des types qui sont avantagés par rapport aux autres parce qu'ils ont des climats qui peuvent les booster. Je pense que c'est logique en soi d'avoir du coup plus de gens qui jouent ce type. Alors en soi je pense pas que ce soit meilleur au final, c'est un peu un préjugé. Mais en tout cas c'est pas étonnant. Dracofeu. Il va probablement me détruire le cul. Je n'en doute pas une seconde.
Allez, on mise pas l'Amder, s'il vous plaît. Ah! Bien joué. Ah non, je dis bien joué. Du coup, il switch derrière. Bah oui. Bah oui. Très bien vu. Cet homme est plus malin qu'on ne le pensait. Et bien sûr, il a pied voltige et il va pas se faire flame body. Bah bien sûr, mais très bien joué. Très bien joué, mais tu es très fort. Je suis en train de me faire stall par un poids chijou. Par un poids chijou. Bon. On envoie Malvalam, on tape dans Slam et puis on prie. Merci pour Kesteban. Oula, il switch. J'ai gagné. Est-ce que je peux pas... Attends, le... non, parce que le baillement est pas... Enfin, le sommeil n'est pas banni dans ce format. Qu'est-ce qu'il va faire, là? C'est quoi son game plan? Est-ce que vous pensez qu'il joue Itran Flame Body ou pas? Ou est-ce qu'il joue Torche? Merci Poki Steven. Les gens qui ont un GXE de 94%, on n'en parle pas assez. Bah souvent c'est des cheaters. Oh, il envoie Itran. Esprit frappeur. Ça fait combien ça? Ouf! Oh le Itran! Oh le Itran, il est parti, il est plus là. Itran, il est plus là. Est-ce que je switcherai pas là? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. En fait, ça dépend. Quel est le set de feu persan, tu vois. Est-ce que le feu persan, c'est un set lock? S'il est lock, je peux pas perdre. Le problème, c'est s'il est pas lock et qu'il est DD, j'ai besoin de Malvalam, quoi. C'est tendu, cette histoire. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas besoin d'Ogarpon, donc je peux le sacrifier, je pense. Il a fait sable ardent. Ok, bon. Le Dracofeu, il avait l'occasion de faire un kill à 100%, il a dit, je vais pas en faire. Ah, il est ballon, donc il est sûrement DD. Donc j'ai bien fait, quand même. Par contre, s'il a horreur, c'est terminé. Hein. Ah, il a pas eu peur que je fasse encore. Hein. Okay. Bon. Ah, mais du coup, il a plus d'objets, donc je peux plus faire Poltergeist. Aïe, j'avais pas pensé à ça par contre. Je n'avais pas pensé à ça. Grossière erreur de la part du joueur français, mesdames et messieurs. Ah ouais, je tue pas en plus. Bon, bah là, faut que mon Sulfurai gagne contre Feu Persan, je sais pas trop comment. Parce que Lance-Flamme, ça tue pas, je pense, si. Allez, tank. Ok! Sulfurai le Goat? Il tue? Il tue! Mais non! Incroyable! Incroyable gaming! C'était émouvant, carrément, là. Là, j'ai été ému par la game. C'était un très beau match. Ah, Sulfura, il a tanké colère à plus 2 de feu persan. Non, ça fait deux fois qu'on est censé se faire 6-0 par feu persan et on gagne un peu par miracle. Alors que j'ai un Sulfura qui ne touche pas à feu persan, quoi. Dieu amphibien qui me sort mono acier. Ça c'est juste, il y a volonté de m'humilier là. C'est le jeu, c'est parce qu'il sait que mono feu contre mono acier c'est pas si fort. Alors attendez, parce qu'il est à 1769 quand même notre ami du amphibien. Ah oui. Après du amphibien il fait que du monotype dans toute sa vie. C'est son métier quoi. Son métier c'est de faire du monotype. Alors, dim dum 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 dum.
On va aller dans le canyon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais plus si ça a fulguré rayon ce truc. Est-ce que ça se jouerait fulgurayon ce truc? Voile miroir. Est-ce que ça veut dire qu'il est fermeté? Au moins on sait que... Oh putain, Scarvitran! Waouh, ça c'est très étonnant quand même. Avec en plus rayon gemme, donc ça fait un peu peur. Après, bon bah là on a plusieurs choix. On peut taper Telluriforce. À moins qu'il soit ballon. Mais... Pièges de rock sont quand même pas mauvais dans la game. Hein. Fermeté, potentiel focusage. Il y a beaucoup de trucs très relous. Après, le problème de mettre les pièges de rock, c'est que derrière, eh ben, il peut les mettre et ça va changer un peu la game. Quoi. Je vais quand même les poser potentiellement, je pense. Pourquoi t'as décidé de jouer monofeu sans soleil? Mais parce que je trouve ça nul. Voilà. J'aime bien ne pas jouer charter. Je trouve ça agréable. Bon, il n'y a plus de gros magot. Là, si on gagne, on gagne 2 millions de points, je pense. Il est à 1769, moi je suis à 1523. J'ai 250 points de retard sur mon adversaire. Vous vous rendez compte? Il faut pas parler trop vite. Ah mais des grosses bottes. Ouais, c'est que là du coup il peut mettre les pièges de rock. Un peu le souci. Un pont dragon voit le miroir, ça me rappelle la coupe du monde 3v3, c'était trop bien. Là il y a la coupe du monde random battle qui arrive. J'ai hâte de revoir tes talents de Shiny Hunter vendredi. Est-ce qu'on va rater un Shiny, vous pensez? Normalement, sur Let's Go, c'est très facile de rater des Shiny. De mémoire, ça peut arriver très très facilement. Ah, il utilise bien son timer du amphibien. Allez, Flame Body, faut proc là. Voilà. Bon, le Heatran, il a quand même potentiel de bien nous détruire. Parce que Rayon Gemme, ça touche vraiment toute ma team. Quoi. Après, ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est l'avantage.
Ah, le truc, c'est que les shiny de Pokémon Let's Go, ils disparaissent très facilement aussi, quoi. Je pense qu'on va envoyer Volcanion et on va lâcher notre meilleur jet vapeur direct. On a forcément un kill ici. Ah, je pense que je vais faire Pokémon Let's Go et je vais chasser du Shiny, quoi. Sans trop de spécificité, à part Roucarna, j'ai capturé les Pokémon que je croise, mais ça sera surtout Roucarna, quoi. Lame de roc, roue de fer. Ça sent bon cette game. Ah, en fait, ça sent bon et en même temps bon. Il va y avoir un souci à un moment, quoi. Voilà, il va sûrement double switch Heatran. Ce serait pas étonnant. Si j'étais lui, je le ferais. C'est un peu prévisible. Hein. Est-ce que je le call ou pas? Ça me paraît tellement prévisible, je pense que j'ai très envie de le faire. Un petit Vortex Magma. Ou alors un petit Tellurie Force. C'est un peu osé quand même. Allez, on n'a qu'une vie, les bros. Hop là! J'ai menti! Attends, mais ça fait 0 dégâts en fait, Heatran, maintenant que j'y pense. C'est chaud, hein. Ça fait vraiment 0 dégâts. Genre, on peut vraiment envoyer au Garpon, on peut pas mourir de rayon gemme. Oh, la surchauffe! Il a osé. C'est vrai qu'on voit un bon joueur de monotype, c'est qu'il a des. Tu vois, il a des teams, même contre un team, une team très défavorable, il a plein d'options, quoi. Alors, est-ce que Kuba, ça me tue, là? Normalement, non. Même rigide, full attaque, ça me tue pas. À moins d'un mineral absolu. Ah, bien joué à lui. Bah, bien joué à lui, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai eu tort de faire ça ou pas? J'aurais pu switch, mais bon, j'avais 18% de chance de perdre, quoi. 18, c'est vraiment pas beaucoup.
pense que j'ai bien joué la game. Hein. Je veux pas vraiment m'en vouloir. Je fais pas d'erreur dans la game. J'ai tout misé sur. J'ai vu la stat, je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, quoi. Je sais pas. Je pense pas avoir mal joué. Switch Sulfura, bah il pouvait double switch et ça m'aurait mis dans la sauce quoi. Je pense que mon play était quand même le bon. Hein. Juste il a eu beaucoup de chats et puis voilà quoi. Après en soi il est burn sur Flame Body tu vois. Après c'est une chance sur 3, c'est pas. En fait je pense que le Scalper il aurait forcément été burn à un moment parce que j'ai un Sulfura. Donc c'est du axe mais c'était voué à arriver. Est-ce que je peux revenir dans cette game? On va voir ça. Hein. Bon là on U-turn en anticipant le hitrun, on envoie notre propre hitrun. Et puis un peu en 50-50. Je renvoie Sulfura, je pense. Ouais. Après, hein. Ok. Alors là, il peut pas me tuer, non? Rayon gemme, ça fait 16-19. Donc à moins qu'il soit modeste, il peut pas me tuer. C'est dur. Hein. J'ai vraiment parfaitement joué la game. Quoi. Bon, je prends le replay parce que c'était quand même. C'était quand même une belle game. Ah, je m'en suis sorti alors qu'il y avait un Itran Scarf Rayon Gem qui one-shotait toute ma team. Hein. Je suis désolé, mais bon, c'est la frustration. C'est pas grave. En soi, c'est pas grave parce qu'on a gagné, tu vois. En fait, moi, là, ce que je me dis, c'est que dans tous les cas, le match, je veux dire que je le gagne ou que je le perde, le ladder monotype, il m'importe pas, tu vois. Dans ma tête, j'ai gagné. Enfin, j'ai fait les bons plays, je suis allé au bout, j'ai parfaitement switch, j'ai parfaitement anticipé. Je suis quand même content de ma game, tu vois. Le résultat, il est pas là, mais en même temps, bon. Ce qui est important, c'est d'avoir bien joué en soi. Contre un des meilleurs joueurs monotype, c'était pas gagné. Alors. Petite game monoglace. Alors attention, parce qu'il y a des pokés qui font peur quand même. Notamment Mamochon. On valide pire au but, hein, c'est safe, comme ça on a un ballon brûlant gratuit. Monoglace, je pense qu'en 9G c'est vraiment pas trop nul. J'avais fait une monotype de. J'avais fait une vidéo dessus, je crois. Free U-turn, free hitrun. On n'a pas grand chose à craindre ici. Il est bien specs par contre. Qu'on va mettre nos rocks. Je pense que les rocks sont plus chiants pour lui que pour moi. Après, il peut jouer monobot quoi. C'est un peu le truc qui me fait chier. En soit, si je clique Magma Storm, j'ai un kill à 100%. Quoique Mamochon. Ici, il va sûrement pas taper séisme. Ouais, c'était sûr. Je pense que perdre Itran, c'est pas catastrophique pour moi.
Putain, je l'ai vraiment outplay là. Tu aurais fait quoi comme métier si t'avais pas fait streamer? Bonne question, j'en sais rien. J'ai fait des études de journalisme, mais bon. Je pense que l'actualité et le monde actuel me donnent raison d'avoir arrêté. Est-ce qu'il existe un métier plus corrompu que le journalisme? Oh, bien joué! Oh, c'est bien joué, ça! Ah non, c'est... Ah non, 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 je dis oui, je dis oui! Ça a été très drôle que ça tue pas. Parce qu'en soi, et que la glace, ça faisait 3%, et j'avais 2, donc... Volcanion, ça devrait pour RK. Je pense pas qu'on meurt de bullrock. Qu'est-ce que j'aurais fait comme métier? Qu'est-ce qui me plairait? Bah en soi, je pense pas que je ferais streamer toute ma vie, donc c'est une question intéressante. Maintenant, c'est super dur de savoir de quoi vont avoir besoin les humains dans le futur, tu vois. J'ai l'impression que plus le temps passe et moins les gens et moins l'humanité a besoin de certains métiers. Donc c'est difficile de penser que dans 20 ans, dans 30 ans, je peux vraiment savoir ce que je pourrais faire, tu vois. Je pense que je suis quand même compétent dans plein de domaines. Je suis assez bon dans plein de choses. Mais maintenant, où est-ce qu'il y a du boulot? De quoi il y aura besoin? C'est ça le grand mystère, finalement. Alors, est-ce que Belle des Neiges peut gagner contre Volcanion? Le mystère est total. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu puisses, Belle des Neiges. Je suis désolé. Merci Dominique Aco. Après moi je me dis, s'il y a une licence dans le monde qui peut être immortelle, c'est bien Pokémon. Donc est-ce que si Pokémon existe toujours, je peux pas continuer aussi d'exister avec elle, tu vois. La question c'est dans quelles circonstances, dans quel domaine, dans quelle dimension je peux exister. Mais je pense pas que Pokémon disparaîtra, tu vois. Oh, le sun. Tu avais dit que tu avais de bonnes qualités oratoires. Bah, je pense que je pourrais ouais, bosser dans des métiers où s'exprimer est important. Parler à l'oral. Je pense que je m'exprime bien. Je suis assez à l'aise. J'ai une bonne voix. Maintenant, c'est pas un métier, tu vois, d'avoir une bonne voix et de savoir s'exprimer. Attends, en tout cas, toutes les monofeux qu'on a croisées, elles ont toutes, sans exception, un poseur de soleil. Yann va rien remplacer du tout sur le long terme. Bah, j'ai pas du tout une question d'IA, c'est une question d'évolution, pas que de la technologie, des besoins, tu vois. Tu vois, est-ce qu'il y a 20 ans, on était capable d'anticiper le métier de streamer? Il y a 20 ans. Je pense pas, tu vois. Donc, est-ce que nous, on est capable d'anticiper les métiers, les nouveaux métiers de dans 20 ans? C'est très difficile. Hein. Et je pense que je ferai encore ce métier une bonne dizaine, quinzaine d'années, donc c'est compliqué. Il y a 20 ans, t'as quand même le début de YouTube. Ouais, mais streamer, le métier de streamer, c'était vraiment impossible, je pense. Puis même quand YouTube a été lancé, personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait gagner sa vie avec YouTube, je pense. On parle vraiment d'il y a 20 ans, tu vois, 2004, c'est... C'était quand même il y a un bon bout de temps. Bon, qu'est-ce que je lead, moi? Parce que c'est bien marrant de rigoler la vie et boubiba, mais bon, je pense que lead, c'est un petit peu. Oh, le feu perçant comme ça, là, pam! Ouais, dans commentateur sportif, j'y pense. Bah, je pense que oui, bah après, c'était mon métier, c'était mon objectif dans ma vie, hein, de faire ce métier spécifiquement. Quand j'étais petit, je m'entraînais, tous les matchs, même mes matchs sur FIFA, je les commentais. Même avant d'aller me coucher, j'imaginais un match de foot et je le commentais un peu dans ma tête. Tellement je voulais faire ce métier. Le problème, c'est que pour faire ce métier, il faut faire une école de journalisme. Et l'école de journalisme, malheureusement, tu passes par des étapes où t'es un peu dégoûté de l'humanité.
Faut avoir du mental hein, pour faire ce taf. En plus, quand tu sors d'école de journalisme, derrière, tu dois être pigiste, tu dois racler les fonds de tiroir, abandonner ton humanité. C'est compliqué, j'avais pas le mental. Ça devait pas saouler tes parents de t'entendre commenter un H24. Mais je me rappelle que mes parents et mes frères et soeurs, ils m'entendaient commenter mes matchs de foot. Et ils me prenaient pour un fou. Après, quand j'ai commencé à faire des streams, j'avais fait quelques streams chez mes parents, de temps en temps. Et je me rappelle qu'ils savaient pas trop ce que je faisais exactement. Et ils me prenaient encore plus pour un fou. Mais je pense que pendant quelques temps, j'étais un peu le fou de la famille. Et encore aujourd'hui, hein, je pense que quand ils parlent de moi dans les... Quand il y a des réunions de famille et qu'ils parlent de moi, c'est un peu le foufou, le fifou, quoi. Le mec chelou, le mec à part. L'autre là. C'est l'autre là. Ça existe un feu persan Ça existe pas. Si! Putain, un feu persan. Paloc. J'ai un peu trollé là. Après, feu persan me 6-0 de base, donc il faut que j'accepte hein, de me faire un peu atomiser par ce truc. Qu'est-ce qui est dur dans l'école de journalisme? Car même si je suis d'accord que plusieurs journalistes sont très sensationnalistes, il en existe des bons et des humains. Bah moi, j'ai beau avoir rêvé d'être journaliste, je restais quelqu'un de plutôt associable. Et devenir journaliste quand t'aimes pas trop parler aux gens, c'est très difficile. Très très difficile. Et puis, dans mon année, je détestais vraiment tout le monde. C'est-à-dire que c'était pas juste, j'avais pas envie de parler aux gens, c'est que vraiment, l'ambiance, les gens me ressemblaient pas, les gens me... Je sais pas. L'ambiance était très bizarre, je me sentais pas du tout à ma place. Et les profs étaient détestables aussi. Je me rappelle que vraiment, les profs étaient détestables. Je me rappelle, il y avait un mec qui était venu pour faire une intervention, il nous avait dit, écoutez, moi ça fait 20 ans que je suis journaliste, j'ai travaillé sur toutes les chaînes. Il faut vraiment que vous compreniez que parfois ce qui est important, c'est pas l'information. C'est la manière dont vous allez la sortir. Et j'étais en mode bah je ne veux plus travailler ici en fait. C'est quoi là? On est où là? Qu'est-ce qu'il fait ce fenêtre? Oh! Manquait plus que ça. Faut pas voir le métier de journaliste par le prisme de ce qu'on voit à la télé. Bah, je suis assez d'accord, mais le problème c'est que j'ai aussi beaucoup comment dire, attaché de l'importance à l'image que se font les gens du journalisme. Je trouve que ça reste quand même quelque chose d'important. What? Qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est probablement encore aujourd'hui un des métiers les plus détestés au monde, enfin, en tout cas en France. Je sais pas si vraiment, je savais pas si j'avais très envie de le faire quoi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu abandonné de vouloir être prof aussi. J'avais un petit peu envie d'être prof, mais quand j'entendais ce que les gens disaient du métier, j'étais en mode, est-ce que j'ai envie d'être une personne que les gens détestent, tu vois? Et puis oui, il y a les mecs qui travaillent à la télé, mais à côté, t'as aussi beaucoup de gens justement qui font des petits boulots horribles dont on n'entend jamais parler. Parce qu'ils sont. Ils disparaissent justement derrière les grands noms, quoi. Bon, ce match est impossible. J'en ai vu des matchs impossibles, mais alors celui-là. Ok, il est possible. Ce match est possible. Après les notaires et les garagistes. Ouais, y a beaucoup de métiers. Les profs aussi. Hein. Les profs, c'est un métier, malheureusement, il est très très important et il me passionne, mais en même temps, il est très ingrat, quoi. Des fois, tu te dis à quoi bon, en fait. Quand tu vois ce que les gens pensent de l'éducation en général. Après, en soi, quand tu fais un métier, tu dois pas te dire qu'est-ce que les gens vont penser de toi, mais. C'est un peu inéluctable. Bon, feu persan, tu m'as saoulé. Je vais pas te mentir. Je vais tenter d'aller sur Sulfura, mais j'ai pas trop d'espoir là. Ouais, non, mais là, genre vraiment, feu persan, si le mec sait jouer, on perd. Hein, donc.
Ok, là, le mec n'a pas l'air de savoir jouer, donc ça va. Là, il y a moyen qu'on gagne, hein, s'il a pas... Si, ça dépend si Mavelam a la ceinture force, en fait. Ensuite, je suis prof et je te jure, je suis perçu comme un dieu. Ah ouais? Ah, la Suisse, ça a l'air d'être un monde parallèle pour moi. La Suisse, j'ai l'impression, ils sont dans un autre monde, ils sont heureux. Bon, après, la France, on est pas mal lotis non plus, quoi. Est-ce que ça marche au regard pont esprit frappeur? Je pense que oui. Ouais. Ça amène de mauvaises profs qui amènent une mauvaise vision de la chose. Ouais. Ouais, il est ceinture force. Il est ceinture force, bien sûr, bien sûr. Bon, est-ce qu'on peut empêcher ce feu persan de gagner? Ça me paraît très compliqué quand même. Je vois pas trop comment on peut faire. On va dire qu'on va envoyer sur le Fura, on va U-turn pour pas que le feu persan ait un free setup. Parce que ça tue pas, je pense, à mon incrit. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est envoyer Volcanion. Pour être heureux, faut naître riche et être rentier. Moi, je crois pas trop au délire de bonheur. Je pense pas que parce que tu vas naître riche, tu vas être plus heureux qu'un mec qui va naître pauvre, tu vois. Je pense que, à mon avis, un peu inéluctablement, les deux vont finir à peu près au même niveau de bonheur. À moins qu'il y en ait un des deux à qui il arrive des dingueries, tu vois. Mais à choisir, je préfère naître riche. Bon, bah, on va juste claquer la PRG de vapeur. Et. Ah! Mais en vrai, aujourd'hui, c'est. Ah, c'est quelque chose, hein, on va pas se mentir. C'est. Oui. C'est. Donc là, il y a un mec qui avait pivoltige et un mec qui a fait jet de vapeur. Et c'est le mec qui a fait jet de vapeur qui a raté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie que j'ai essayé de mener. Hein. Allez. Boum. Bon, malheureusement, feu persan, on va pas se mentir, ça va être compliqué de le gérer. Après, en vrai, câlinerie, on mise pas. Baisse d'attaque. Non, c'est chaud. C'est perdu! Refais dans ce draco. Vas-y. Oui, ok. Faut pas miss. Ok. Ah, il a Aurore. Putain, il a pas eu peur que j'ai encore. Après, si on a Kaindra, il n'a probablement pas encore. Attends, il a pas d'attaque feu? Ce feu perso n'a pas d'attaque feu en mono feu. C'est terrifiant. Bon, bah, c'est FF. Putain, mais. En vrai, je le savais un peu ce qu'il fallait que je joue Aurore sur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que le fait qu'on ait raté notre attaque, malheureusement, a coûté cher. Et en plus, on enchaîne contre Mono-O. Ah non, mais ce soir, c'est une sacrée dinguerie, hein, ce qu'on prend. On s'amuse bien. Alors, allez, jet de vapeur direct. Oula, passe-passe, il va me donner quoi? Le mouchoir chaud. Bah, c'est gentil, ça. Hop la burn en plus. Bah on finit le billet mort. Bah très bien. Vous m'envoyez fortuit. Alors, je suis bloqué donc là il y a un poké qui va se prendre une grosse attaque bien violente. Ah non, il a mis la toile gluante. Tarambule il peut pas se faire Oula. Oula.
Ah, est-ce que je peux pas juste dans slam ici en vrai? Qu'est-ce que j'ai à craindre d'un tarambule? Pas grande chose, je croyais. Alors si j'ai avec masculine, j'avais 41. Ah, je suis obligé de remasculine. Ça va faire un peu chier parce que là, j'ai envie d'anticiper qu'il va aller sur Béquipan. Ah non! Oh, je tue pas en plus. C'est pas grave, on va dire. On a tué un Pokémon important quand même. Il envoie Béquipan. Attendez. Oh, il est plus rapide! Merde, il joue Béquipan offensif. Ah, il joue Béquipan Scarf en fait. Carrément. Béquipan Scarf dans une team Sticky, c'est quand même incroyablement spécial. Mais... Oh, la confusion est tellement unfair. Ce statut est tellement unfair. Okay. Allez, Pingolion, faut pas être confus là. On a besoin de toi, Itran. Voilà. Bon, on fait 0 bien. Oh, speed drop. Non, mais non! Pas speed drop! Itran! Ok. Ok, encore speed drop. Décidément. Bon, là, faut que j'envoie Malala, mais je peux pas trop le laisser spin. Esprit frappeur. Boom! Bon, ça tue pas, mais bon. On va dire que c'est pas mal. Oh putain, j'avais oublié que pas mal avait roost. Moi, j'ai perdu. J'ai perdu. J'avais complètement oublié qu'il avait roost ce Pokémon. Bon, après, mono eau contre mono feu, l'illusion n'était pas particulièrement faisable, je pense. Bon, allez, un bon type là, pour terminer un peu le live. Ah, mono combat. Le fameux Fight Club. On peut s'amuser là, je le sens. Je sens qu'on va avoir le droit au bonheur. Je lis de Sulfura carrément. C'est vrai qu'en fait, ce qui est fort avec, avec Feu Persan, c'est son type, quoi. Le type feu, ne pas pouvoir se faire burn, c'est quand même quelque chose. Ok, bon, bah, il n'y a plus de Cobaltium, donc on a juste à changer côté, c'est bon. Après, attention, parce qu'on est paralysé sur le Sulfura, donc ça veut dire qu'à tout moment, on va avoir besoin de hit feu follet et on va perdre là-dessus. Alors, il envoie garde de fer. Envoyer garde de fer sur Putain, mais je l'ai pas cette type hein, ça. Il y a quelque chose. Ah. Ça me disait quelque chose et non. Alors. Est-ce que je stay ou pas? On va envoyer Pierre au but. Et il fait tour de magie et il me donne le mouchoir chaud. Bah faisons comme ça. Comme ça les pièges de roc c'est nada. Et en vrai récupérer le mouchoir chaud sur Pierre au but, si on arrive à le conserver c'est pas horrible. Farfurex. Oh, c'est pas du tout un Farfurex. Voilà, on a Free Feu Follet hein, si on ne mise pas. Ah bah voilà. Putain, c'est incroyable, il s'est passé exactement ce que j'avais dit qu'il allait se passer. Je les call, je le dis, le problème de la para, c'est que si on est bien dans la game et qu'à un moment on doit hit Feu Follet, on va se faire para. Bon ça va, on a réussi à le toucher quand même. Mais le problème, c'est qu'on a pris tellement cher que... On avait tellement besoin de Sulfura dans cette game.
que ce Pokémon one-shot Itran par hasard? Oui. Bon bah là on a juste à espérer ne pas se faire axe, hein. C'est vraiment... Ce Pokémon est tellement marrant. On va dire que le poison c'est un des moins chiants, franchement. Je pense que c'est le moins chiant. Je signe tous les jours. Bon, vous voyez notre meilleur au garpon. Le fait que Game Freak ait daigné créer ce move, ça m'inquiète vraiment pour eux. C'est vrai que c'est quand même incroyable qu'ils aient créé ce move. Moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est les dégâts de tour rapide. Genre, tu t'attends tellement à prendre 0 dégâts sur cette attaque et à chaque fois, ça te détruit. Genre. Coup critique ou pas. Ouais, autant faire encore nouveau pour récupérer des HP finalement. Parce que dans tous les cas, tu sais que derrière, tu vas tuer. Ah non, mais ce qu'il peut faire Vampy Point. Ouais, après, tu tues quand même, je pense. Bon, est-ce que Chifour, ses gardes de fer, sont capables de clean cette game en sachant que le garde de fer, il est grosse botte? Ça paraît quand même compliqué. Alors, est-ce qu'il escarve ce Chifourse? Oui. Bon, bah, c'est free win. On a juste à envoyer Volcanion. On peut juste taper Bomberk en légende. Garde de fer va se faire annihiler. Et là, c'est gagné. Très beau match pour terminer ça. Parce que là, il est obligé de cliquer close combat. Du coup, il va prendre super cher sur Sludge Bomb. Donc, on peut juste se laisser mourir. Envoyer Pyrobut qui est devenu mouchoir choix. Et lâcher notre meilleur demi-tour pour clean la game. On prend pas de risque de mise ballon brûlant, bien sûr. Et voilà! Très beau match! En plus, on reste dans le top lad. Bon, bah voilà, c'était une petite soirée gaming qui fait toujours du bien à la tête et à l'esprit. Une last. J'arrive juste. Ok, j'en fais une dernière juste pour toi, mec. Et si elle est horrible, je te perds ma ban. Oh putain, il y a un Flamigator. Ça me counter. On va voir. Après, il peut pas Terra. J'avais oublié ce détail. On va aller directement Itran, je pense. On va directement mettre nos rocks. Il a pas de poseur de rock et il a pas de Pokémon pour enlever les hasards. Donc les pièges de rock sont quand même vraiment très fins. J'ai pas eu le temps de snipe, ça aurait été une bonne game de merde. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs de toi qui n'as pas peur d'avoir des games de merde sur les snipes. Est-ce que tu penses refaire du Pokérogue ou du Emerald Rogue? Alors, Emerald Rogue, pourquoi pas? Mais franchement, Pokérogue, j'ai du mal à me motiver en ce moment. J'attends la prochaine mise à jour. Je pense que Pokérogue, j'en ferai à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, quoi. Mais tant qu'il n'y en a pas, bah, pour l'instant, voilà, quoi. Je ne me presse pas. Oh, mais c'est quoi cette merde? Oh, et en plus, je suis paralysé. Mais pas la paralysie. La paralysie!
Oh, j'ai envie de rage quit la game tellement fort. Ça me dégoûte, sérieux. Trick, cage éclair, balle ombre. Mais va te faire schnipoutner en fait. J'étais tellement heureux, j'allais quitter le stream et je relance pour un viewer et je vais. Non, non, ok, ça va. Ça va, il a miss. L'espoir renaît. Renaît la taupe. L'avantage, c'est qu'avec les pics toxiques, on peut pas se faire brûler. Elle est bonne, putain. Ok, l'adversaire il a l'air débile. Ok, d'accord. Célébrer, j'ai besoin de l'avis d'un expert. Un pote est roux, il dit qu'il est blond vénitien. Je lui ai dit que c'est ce que disent les roux qui n'assument pas, ai-je tort? Bah, j'en sais rien en fait, ça dépend. Est-ce qu'il se trouve, il est vraiment blond vénitien? J'ai pas sa tête, tu vois. En fait, le problème, c'est que les roux, les gens qui sont pas roux, ils pensent que tous les roux sont les mêmes, alors qu'il y a un milliard de roux différents, tu vois. Par exemple, moi, j'ai la barbe ultra rousse, mais quand je me rase complètement, mes cheveux, ils déroussissent. Donc, avant que j'ai une barbe, bah, les gens, ils m'ont jamais dit de ma vie que j'étais roux, tu vois. Parce que pour les gens, dans leur imaginaire, le roux, c'est plus poil de carotte. Tu vois. Attends, mais lui, il me fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ouch, il tue les specs. Il me fait ultra mal, en fait. Je le tue? Pas. Donc oui, moi, je pense qu'il a peut-être raison. Ça se trouve, il est pas totalement roux. Tu vois. Bon, bah, Malvalam, malheureusement, t'étais censé faire des masterclass, là. Mais... Avec l'épic toxique, c'est compliqué. Hein. En plus, il y a un Mimikyu, quoi. Je lui demanderai de se raser la barbe pour voir. Bah, s'il n'est pas roux poil de carotte, en soi, il n'est pas vraiment roux, tu vois. Moi, personnellement, je me considère pas comme roux. Je me considère comme un roux... Un roux détente, quoi. Bon, est-ce que je clique McMaster, les gars? Est-ce que j'ai les couilles de le faire? Il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Sinon, c'est perdu. Ok. Parce qu'en fait, je me souviens que quand j'étais au collège, dans ma... pas dans ma classe, mais dans une autre classe, il y avait un mec qui était roux poil de carotte et il se faisait... Oh, il se faisait vraiment harceler pour le coup. C'était horrible. Je me rappelle qu'il le vivait très 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 mal et les gens étaient vraiment très méchants avec lui. Et moi, j'ai jamais reçu une seule vanne, quoi. Jamais une seule. Les gens ne m'ont jamais dit que j'étais roux. Donc c'est ce moment-là que j'ai compris que les gens, ils aimaient pas le roux poil de carotte, quoi. Donc je me suis dit, bon. Et en fait, au lycée, ma barbe a poussé. Et j'ai des potes qui ont commencé à me dire, hey, mais t'es roux en fait. Moi j'étais en mode, ah bon, bah ok. J'avais jamais entendu de ma vie le fait que quelqu'un me dire que j'étais roux, tu vois. Ça m'a choqué. Et après, bon, plus la barbe a poussé, plus je me suis dit, bon, bah effectivement, je comprends l'idée, quoi. Et puis avec le temps, ça me dérange pas, tu vois. J'en fais plus une force qu'un défaut. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, ça sent le panier frais, ça. Oh, ça sent pas bon, cette histoire. Comment on va faire? Ah! Ok. Là, faut juste lance-flamme en fait. Ah, j'aurais peut-être dû faire feu follet plutôt.
Ah, Feu Follet, ça m'aurait probablement fait plus win, je pense. Mais là, c'est compliqué, non? Malheureusement, le pic toxique maudit, parce que j'ai été paralysé sur le ectoplasma en early game, bah coûté cher. Derrière, je ne tue pas Spectreval et il va pouvoir clean. Donc là, je perds parce que je me suis fait paralyser tour 2 contre un mec à 1300 de ladder. Est-ce qu'on est sur une émotion positive? Non, je ne pense pas. Hein. Je suis désolé pour le mec qui m'a dit tu peux en lancer une dernière, mais là tu viens de me faire souffrir tellement fort. Je suis vraiment généreux quand même d'avoir fait ça pour toi. Je suis atteint assez foncé, mais ma barbe moustache est roux, c'est un peu bizarre. Ouais, bah c'est souvent ça, en fait, le gène roux, il est présent chez beaucoup, beaucoup de gens. Il y a même des gens parfois qui ont un côté de la barbe roux. Et pas du tout le reste, c'est très bizarre. Juste genre un tout petit peu quelques poils, tu vois. Mais si j'ai un jour j'ai des gosses et qu'ils sont roux, je leur dirais, fais-en une force. Genre, aujourd'hui les gens qui ont les cheveux noirs, classiques, tu vois. Mais souvent c'est des mecs qui vont se moquer des roux, alors que ces mecs-là sont des clones. Je comprendrai jamais l'idée de vouloir se moquer de quelqu'un quand tu es un clone. Tu n'as zéro personnalité. T'es pas moche, si tu veux. Ok, mais t'es un clone. Donc, c'est étrange, quand même, de vouloir vanner un mec qui est un petit peu spécial. C'est pas cool. C'est pas parce que t'es un clone et que t'as zéro personnalité qu'il faut déverser ta haine sur les gens un petit peu stylés, un petit peu originaux. Bon, ça marche avec tous. Hein. Donc, c'est ça, ma théorie. Les gens qui vannent les roues, ils sont jaloux. Merci à vous d'avoir été là, même si le dernier match était pas marrant. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Un petit usmo pour terminer, pour vous faire plaisir. Comme ça, on finit sur une émotion positive, quand même. Ah bah, je suis sur Twitter. Sinon, on peut faire un petit live Twitter, hein, c'est bien aussi. Hein. Olivier Giroud, qui est fier d'être bleu, apparemment, ça fait plaisir. Merci à lui. Quand même, Didier Deschamps, il lui a fait une sacrée dinguerie. Hein. Son dernier tournoi, il l'a fait rentrer, genre, 2 minutes. Hop. C'est parti! Alors... Danger. Ok. Dindon. Ouais. Il y a un O. Donc peut-être don. Il y a un A. Donnant. Non, il n'y a pas de N. Donald. Donade. Donate. Je sais pas, je l'ai pas celui-là. Hein. Il est bizarre celui-là. Ou sinon c'est Dynamo. What the fuck? Je suis trop fort.
trop fort. Oh putain, je suis trop fort. Allez, sucez-moi, là. Putain, sucez-moi. Ciao. Non, mais sur mon Discord, ma propre communauté, ils font des tier listes des viewers, enfin des utilisateurs du Discord. Les mecs sont tellement mégalos, ils font une tier liste d'eux-mêmes. Je sais pas quoi faire de cette commune en fait. Et le pire, c'est qu'ils me mettent pas en S rank, hein. Ils me mettent en ça va, il est correct ce mec. D'accord, ok, bon. Bah, je me bats alors.